5 incohérences du français, vous connaissez la chanson. Ce sont des incohérences que vous n'aviez peut-être pas notées et qui, moi, me tuent le pied. Shampoing prend un G alors qu'on shampooine, on ne shampoingue pas. Combatif s'écrit avec un seul T, mais combattant s'écrit avec deux T. Les deux sont basés sur le mot battre, d'ailleurs, avec deux T. Un presse-citron, ça s'écrit au singulier parce qu'on ne presse qu'un seul citron, mais attrape-nigo, c'est au pluriel parce qu'on est censé attraper plusieurs nigos. On écrit un gars avec un S, mais un garçon avec une cédille, et pas avec le S qui est déjà présent. Et d'ailleurs, on dit une garce avec un C aussi. On n'utilise pas du tout le S. Qu'est-ce que fait ce S dans le mot gars, s'il vous plaît? On écrit appelé avec un seul L, mais en orthographe classique, on écrit interpellé avec deux L. Pourquoi? Rose et pourpre s'accordent et sont considérés comme des adjectifs de couleur, mais orange et marron, non. Ils ne sont pas considérés comme des couleurs. Pourquoi? C'est comme ça.